J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Fashion Nova. Donc comme tous les mois, vous le savez, je fais un haul en partenariat avec Fashion Nova. Donc là, je vais vous montrer ma sélection du mois de novembre. Il y a des pièces, franchement, il y a des pièces vraiment sympas. Fashion Nova, ça fait vraiment partie d'un de mes sites préférés où tu peux trouver de la grande taille stylée. Pas trop cher, de bonne qualité. Donc voilà, je suis très contente de travailler, de continuer à travailler avec eux. Ça fait super longtemps maintenant que je travaille avec eux, ça doit faire 4 ans. Hein. Donc voilà, c'est parti. Alors première pièce, si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir plusieurs fois parce que je l'ai porté plusieurs fois. C'est ce t-shirt et je l'aime trop. Et faites pas attention d'ailleurs, j'ai mis le chauffage parce qu'il fait un froid. Ça y est, l'hiver il est là, il n'y a pas d'automne, on est passé bam, hiver. On va éviter de tomber plus malade qu'on ne l'est. Donc voilà, donc ce t-shirt, trop mignon, avec écrit Girl Gang, avec un petit nounours rose. Nounours Gangsta avec la petite chaîne en or. J'adore la longueur des manches. Personnellement, j'aime pas cette partie de mes bras. Et là, il tombe parfaitement. La matière aussi, elle est trop bien. C'est une matière hyper élastique. Ah, et niveau longueur, bah, il m'arrive en dessous les fesses. Donc franchement, j'aime trop. J'aime trop la coupe. J'aime trop le logo dessus, le design. Trop mignon. Trop trop mignon. Et je crois qu'il existait en plusieurs couleurs, mais j'ai pris noir parce que je trouve que le noir, avec le blanc et le rose, ça ressort trop bien. Donc voilà la première pièce. Donc ça c'est le seul truc que j'avais ouvert. Maintenant je vais découvrir avec vous. Donc j'ai pris un pantalon. Quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit pourquoi pas, j'ai pas du tout de pièces comme ça. Donc j'espère que ça va le faire. Donc c'est un pantalon en simili cuir marron. J'ai trouvé la couleur magnifique. Vraiment c'est un beau marron. Et donc il est en simili comme je vous ai dit. Avec une petite ceinture. Et c'est une coupe droite. Ouais, c'est une coupe droite. Il a l'air assez stretchy. Donc voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. J'ai pris la taille 3XL pour celui-ci. J'espère qu'il est bien taille haute. Celui-ci, je le vois bien avec un petit pull marron d'ailleurs que j'ai pris aussi. Un marron un peu plus foncé. Donc voilà, je vais l'essayer et je vous montre tout de suite. Ok, donc j'ai mis le petit pull marron que j'ai pris avec. Donc c'est un petit pull marron. Vous voyez, c'est un marron plus foncé. Avec un col en V. Des manches assez larges. Et donc je l'ai pris pour aller avec le pantalon. Donc franchement le pantalon il est trop confortable. Trop confortable. Il tombe parfaitement. La longueur elle est nickel. La matière elle est top. Il est stretchy, super confortable. Et en fait ça fait comme un legging. Vous voyez, il n'y a pas de bouton. Donc tu l'enfiles comme ça et après tu mets la ceinture. Si tu veux pas la ceinture, tu peux même l'enlever. Je trouve que c'est un des premiers pantalons en cuir qui va bien avec ma morphologie. Donc franchement c'est obligé, je le vends mort, quoi. Même au niveau des fesses, il monte super bien, il attrape bien les fesses. Et avec le petit pull, j'aime trop le look. Voilà, rentrée. Bon, là, je vois rien du tout autour écran, mais bien fait, rentrée. Avec la petite ceinture qui dépasse. Genre bien habillée, avec des petites chaussures et tout. Mais ouais, j'aime beaucoup cette première tenue. Alors, ensuite, ça, c'est quand je l'ai vu sur le site. Coup de cœur direct. Bon, vous connaissez ma passion pour les manteaux, les vestes et tout, mais quand je l'ai vu celle-là, j'ai dit yes, I need it. Donc, c'est ce manteau. Regardez les couleurs. Il est juste incroyable. Manteau blanc, rose, bleu, trop trop beau. Imprimé tartan. Il a l'air super chaud. Oh, il est trop beau. Je trouve les couleurs elles sont trop belles. Donc je vais essayer, je vais vous montrer. Bon, bien sûr, pas avec la tenue en dessous là. Je le vois bien avec une tenue toute beige en dessous. Jean beige, body beige. Et tu mets ça. Trop beau. Donc celui-ci, je l'ai pris en taille 2X parce qu'il est oversize. Et je le voulais pas non plus trop oversize. Et franchement, là, il est nickel. Niveau des bras, vous voyez, j'ai largement de la place. Je peux même le fermer si je veux. Bon, je le fermerai jamais, mais voilà. Vous avez ce grand col comme ça, qui tient super chaud. Il y a des poches, on adore. Et voilà, au niveau de la longueur, il m'arrive en dessous des genoux. Ouais, mi-mollet, on va dire. Et je trouve que là, les couleurs, elles sont trop belles. J'aime trop, trop, trop le combo des couleurs. J'ai trop hâte de faire un look avec. En plus, c'est pas très cher. Il y a bientôt Black Friday qui arrive, donc il va y avoir plein de soldes. Donc si vous voulez un truc, attendez un peu peut-être. De toute façon, je vous posterai sur Instagram quand il y aura les deals sur différents sites. Mais déjà, de base, il n'est pas très cher, mais je pense que pendant Black Friday, ils vont pas mal le solder. Si vous kiffez. Ah, il est trop beau. Trop cute. J'ai pris une autre veste, bien sûr. Hein. Je peux pas m'en empêcher. Ça va pas du tout rendre comme ça. Mais c'est une espèce de trench. De trench, pas du tout, pas de trench, de trench. De trench en simili-cuir. Mais couleur crème.
Est-ce qu'on voit que c'est du semi-liqueur déjà? Ouais, un peu. En fait, ça, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit ça fait beau, soit ça va faire blouse de docteur, blouse d'infirmière, enfin blouse de ce que tu veux. Donc celui-ci, je l'ai pris en une taille 3X. Et ils disent donc, follow votre trench coat. Bon, déjà, il taille petit. Il taille grave petit. J'ai des bras grave serrés. Bon, après, j'ai le pull en dessous. J'ai le gros pull en dessous, mais déjà, les bras là, faudrait que j'essaye avec un truc plus léger en dessous. Je sais pas. Je crois que je suis pas fan. Bon, déjà, je pense que c'est la tenue en dessous qui plaît pas non plus. Mais je suis pas fan. Je sais pas, la couleur, je suis pas fan. Je sais pas, pourtant il est pas, il est beau de qualité, hein. Il est très beau. Mais en fait, je pense que c'est la coupe qui me plaît pas trop parce que je pensais que ce serait plus une coupe trench. Et en fait, c'est pas du tout une coupe trench. Vous voyez, le col, il est pas. Je sais pas. J'essaierai de le styler avec d'autres pièces. Mais là, à chaud tout de suite maintenant, je suis pas fan. Je vous tiendrai au courant si vous voyez que je le poste sur Insta, peut-être avec une autre tenue. Ça veut dire que j'ai réussi à le dompter. Mais pour le moment, c'est pas le coup de cœur. Parce que je suis en partenariat avec une marque que je vais dire tout est beau, tout est rose. S'il y a un truc qui me plaît pas, ça me plaît pas. Et là, je suis pas fan. Voilà. Bah, il est pas moche, mais je suis pas fan. Voilà. Alors ensuite, ça pourrait pas être un haul Fashion Nova sans, bien sûr, les sweats. Les sweats. Sans les sweats. Donc ce mois-ci, j'ai pris le Sweat Lakers. Donc si vous suivez mes hauls Fashion Nova depuis des années, vous avez vu que j'ai déjà pris un autre Sweat Lakers avec la capuche le jaune. J'ai pris la veste, une veste, je mettrai des photos si j'ai des infos. La veste Chicago Bulls. La meuf, on dirait elle est fan de basket alors que pas du tout. Et donc cette fois-ci, j'ai pris le Sweat Lakers noir avec les écritures jaunes. Donc voilà, parce que c'est vraiment le genre de sweat dans lequel je vis. Et j'ai trouvé joli, j'aime trop leur sweat à Fashion Nova, ils taillent trop bien. Ils sont bien oversize, ils tiennent chaud. Ils tiennent chaud, mais ils sont pas trop épais non plus parce que j'aime pas les sweats trop épais. Et voilà. Donc je vais essayer, je vais vous montrer. Donc le voilà porté. Bon voilà, c'est un sweat, hein, rien de spécial. Franchement, Fashion Nova là-dessus, ils ont trop de choix. Avec des logos, avec des personnages de dessins animés, enfin de stars, enfin tout ce que tu veux, ils sont trop forts. Donc voilà. Ce mois-ci, c'est le sweat que j'ai choisi. Niveau longueur, il n'est pas très long. Il est moins long que les autres que j'ai d'habitude, mais j'aime beaucoup. Et non, franchement, il est top. Alors ensuite, ça aussi, c'est une pièce que j'aime trop chez Fashion Nova, que j'ai déjà en noir. Je l'ai en rouge. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo Halloween, c'est la robe que je porte en rouge. Et donc là, je me suis dit, je vais la prendre en marron. Parce que j'aime trop le marron en ce moment. Et j'aime trop cette robe, je trouve que c'est vraiment une robe qui est super flatteuse. Mais vraiment, vraiment. C'est une robe pull, alors quand tu la vois comme ça, t'as l'impression qu'elle est minuscule. Mais en fait, elle se moule avec ton corps. Là, je vais vous la montrer portée. Elle est trop, trop belle. Faut aussi bien être en journée que le soir. Donc robe pull, manche longue, avec un décolleté. Alors le décolleté, tu peux le porter plusieurs façons. Tu peux le remonter un peu plus si tu veux que ce soit moins sexy. Tu peux aussi faire comme ça, un coup d'épaule. Et donc là voilà, en entier, donc c'est une robe qui est quand même assez longue, assez chaude. Tu peux la porter aussi bien en mode classe avec des talons qu'en mode décontracté avec des baskets ou avec des bottines. Et la matière, elle est vraiment trop agréable. Vous voyez, même au niveau du dos, vous avez un petit décolleté aussi. Et elle existe en plein de couleurs. Vous avez. Donc moi j'ai noir, j'ai rouge. J'essaierai de vous mettre des photos si je les avais portées. Et donc là maintenant j'ai la marron, elle existe aussi en beige, en blanc, en bleu, en rose, il y a toutes les couleurs. Elle est vraiment pas très chère, vraiment la matière elle est ouf. Ok, et donc pour finir, je crois que c'est encore une veste, elle me fait insupportable. Ah ouais, si si c'est une veste, elle est trop belle. Quand je l'ai vue je me suis dit yes, 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 yes. Donc c'est une veste en vinyle, sans manches, donc doudoune vinyle sans manches. J'ai trop d'idées de look. Suivez-moi sur Instagram, c'est sûr que je vais vous faire des looks avec. Elle est trop trop belle. J'espère qu'elle va fitter comme je veux qu'elle fitte. J'ai pris quelle taille? 3X. Elle est trop belle. Donc voilà, vinyle. Bon après, encore une fois, faut aimer. Moi, je trouve que franchement, c'est trop stylé. Encore une fois, la qualité, elle est top. Vous avez un zip, vous avez même des scratchs à ce niveau-là. Bon, yes, j'aime trop. J'aime trop. Avec un pull, avec un sweat, un gros sweat même, la capuche qui dépasse, j'ai trop d'idées de look, même avec cette robe franchement.
Genre c'est hors sujet, mais en même temps ça va bien. Elle est canon. Il y a des poches. Elle est trop belle. Donc je vous la montre. Niveau longueur, elle m'arrive en dessous des fesses quand même. Mais je la vois trop portée avec un gros sweat. Gros sweat bien chaud. Avec une grosse capuche. La capuche qui ressort. Avec un jogging. Quand je l'ai vue sur le site, je me suis dit direct que je la prends. J'aime trop. J'aime trop trop trop. Franchement, elle est vraiment canon. Donc voilà la team, on a fait le tour de tout ce que j'ai reçu ce mois-ci. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos, les tailles que j'ai prises. N'oubliez pas de me retrouver sur Instagram pour me suivre déjà, c'est toujours plaisir. Et pour voir toutes ces pièces portées, assemblées, lookées, etc. Franchement, là j'essaie de poster plein de vidéos, j'ai repris les vlogs, j'ai plein de hauls à vous poster, j'ai plein de vidéos que je veux faire. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo, ce que vous voulez que je filme. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!